Bonjour à tous, c'est Maître Ludovic. Bienvenue en classe encore une fois pour une nouvelle journée de travail. Alors, on va commencer tout de suite, avant même de faire la date, on va commencer par se rappeler une ancienne comptine en anglais. C'est une comptine qui parle d'animaux. Je vais vous la faire et puis vous pourrez vous amuser à la répéter ou la dire avec moi. This is the way the elephant goes. With a curly trunk instead of a nose, the rhino, all hairy and fat, has a sharp horn instead of a hat. The hippo, with his mouth so wide, let's see what's inside. The wiggly snake upon the ground crawls along without a sound. But monkey see, monkey do, is the funniest animal I ever knew. J'adore cette comptine, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je pense que oui, parce qu'en général, celle-ci, les enfants l'aiment bien. Si vous voulez, je vais la redire une fois et vous pouvez la dire avec moi. This is the way the elephant goes with a curly trunk instead of a nose. The rhino, all hairy and fat, has a sharp horn instead of a hat. The hippo, with his mouth so wide, let's see what's inside. The wiggly snake upon the ground crawls along without a sound. But monkey see, monkey do, is the funniest animal I ever knew. Ok. On va chanter un tout petit peu en anglais. Encore. Vous pouvez mettre vos doigts en avant. On va chanter un petit morceau de 10 Green Bottles. On va de 10 jusqu'à 9, 8, allez, on va aller jusqu'à 7. Ten. Ten green bottles hanging on the wall. Ten green bottles hanging on the wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'll be 9 green bottles hanging on the wall. 9 green bottles hanging on the wall. 9 green bottles hanging on the wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'll be how many green bottles remaining on the wall? Voilà pour les petites chansons. Vous avez le droit d'en chanter d'autres, une ou deux. Ce n'est pas la peine de passer trop de temps sur nos anciennes comptines, même si c'est marrant. Allez, on va aller au tableau et puis on va faire la date. Ensemble, je fais la date avec vous et je pense qu'après, je vous laisserai travailler pour aller voir la suite d'une histoire à quatre voix. Alors, quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Alors déjà, hier, je prends du rouge, ça c'était le dernier jour d'école, ah, c'est la gomme, je prends du rouge, voilà, hier c'était jeudi, je bats hier en rouge, et donc, je vais entourer aujourd'hui nous sommes vendredi. Et le vendredi, alors ça c'est top, le vendredi, c'est le dernier jour d'école de la semaine. Alors, ce que l'on faisait sur notre calendrier en classe, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est que nos week-ends, les samedis et les dimanches, on n'est jamais en classe. Donc ce que l'on peut faire, c'est prendre un crayon de couleur, et puis colorier les week-ends.
Moi, je vais colorier les miens. Vous pouvez faire pareil. Alors, le week-end là qui commence demain. Oh, mon feutre est peut-être trop gros. Ah. Voilà, je le colorie. Prenez le crayon de couleur, vous. Hein. Voilà. Et puis, alors, ça, c'était des week-ends. Tout ça aussi. Allez, tiens, je les colorie tous d'un coup en suivant le bord. Voilà. Et après, je ne fais pas du gribouillage, mais je fais des beaux traits bien droits. Voilà, ça, c'est les week-ends où on ne travaille pas. Donc, voilà, on est ici. Ça, c'est aujourd'hui. Nous sommes vendredi. Et, dernier jour de la semaine. Alors, c'est le dernier jour de la semaine. Donc, je vous ai préparé des petites activités qui sont les mêmes que celles que l'on a déjà faites cette semaine. Par exemple, les petits jeux de mathématiques. Eh bien, je vous ai remis les vidéos dans la feuille de papier que papa et maman téléchargent le matin. Je vous ai remis deux vidéos avec tous les exercices de mathématiques qu'on a fait cette semaine. Vous pourrez vous amuser à faire ces exercices. Et enfin, dernière chose, j'ai préparé cette nuit, hier et cette nuit, une grande vidéo très intéressante de science. Mais alors là, je suis encore en train d'envoyer cette vidéo de science sur Internet. Et ça va prendre du temps. Ça va peut-être prendre une heure ou deux heures, voire peut-être même trois heures avant qu'elle soit complètement prête pour vous. Elle est en train de se télécharger sur Internet. Donc, dès qu'elle est prête, je la mettrai, vous la trouverez, et vous allez voir, c'est une séance que vous pourrez faire avec papa, maman, aujourd'hui, ou peut-être durant le week-end, si vous n'avez pas le temps de le faire aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la journée de travail. N'oubliez pas de vous laver les mains et de faire attention aux microbes qui se promènent si vous allez dehors. Bonne journée, à bientôt.